Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui une vidéo World Edit, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter l'aléatoire. Allez, place à l'intro. Alors, chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'on appelle l'aléatoire dans World Edit. Alors, c'est une phase un peu compliquée à se rappeler, du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas réellement de commande, mais c'est pas très très compliqué. Je vous ferai des zooms bien évidemment quand je réaliserai la commande. Puisque ça fonctionne avec toutes les commandes que je vous ai présentées précédemment. Et là, je commence tout de suite par faire une sélection. Alors, hop. Hop. Bien évidemment, ça a bugué puisque j'avais déjà fait la sélection. Donc, là, comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé donc ma sélection avec ces deux blocs de diamants. On va continuer. On va faire pour le moment juste un set. Mais ça marche avec toutes les autres commandes que je vous ai présentées dans la dernière partie de World Edit. Donc c'est un slash. Slash 7. Cette fois-ci, on va juste faire 7. Et je vais vous expliquer comment on réalise les pourcentages. Alors, on va commencer par exemple à faire un 50%. Donc 50%, notez bien. 50% du matériau que vous voulez. Nous, dans notre cas, on va prendre 5. Donc, ce qui est du au coude. Voilà. Et on va continuer, on va continuer, on va mettre une virgule pour mettre l'autre pourcentage. Donc, on va mettre 50% de quoi? Par exemple, on va mettre du 1 pour la stone. Donc, je vais appuyer sur entrée. Et comme vous pouvez voir, j'ai 50% de bois et 50% de stone. Alors, oui, c'est dégueulasse. Du coup. On va faire slash slash undo pour revenir en arrière comme je vous ai appris précédemment. Et on va par exemple, je sais pas, on va faire hop, on va garder ça de côté et on va complexifier un peu. On va prendre de la mossy stone brick, de la stone brick et de la stone brick cassée. Alors, on va faire slash. Slash 7, 50% de stone brick, merde, hop, brick, c'est cash, il me semble, virgule 25 pour merde, 25%, excusez-moi si vous m'entendez moins, donc 25% de Mossy, Mossy Stone Brick. Et on n'a toujours pas fini puisque il faut absolument que la somme de tous vos pourcentages soit égale à 100%. Alors, on va continuer du coup. On a un 50, on a un 25. Et on va du coup finir avec 25% de crackhead. Crackhead. Stone. Et brique. Ça n'a pas marché. J'ai dû faire une faute quelque part. A few moments later. Bon, chers amis, ça ne marche pas, donc du coup, je vais reprendre mon explication, mais on va faire ça avec des chiffres que je connais. Donc 50% de 1, 25% de 5, 25% de 251. 251, c'est le béton blanc, il me semble. Donc voilà, ça marche. Du coup, comme vous pouvez voir, on a plus de stone que de bois, ou de stone que de blocs en béton. Alors, comme vous pouvez voir, c'est extrêmement joli, mais bon, n'utilisez pas ça dans un décor, hein. C'est extrêmement laid, mais c'est vrai que vu comme ça, c'est très joli. Donc voilà.
Donc si par exemple vous voulez faire, je ne sais pas, un mur comme ce, avec ces trois matériaux-là. Hop, comme vous pouvez voir, si je fais ça, tac, que je casse comme ceci et que je fais ça. Que là, par exemple, je mets plus d'homocy. Voilà ce que normalement ça devait donner avec ma commande. Mais bon, ça ne marche pas. Bien évidemment, c'est plus aléatoire que ça, hein. Mais en gros, ce que je voulais faire et ce qui est là, en fait, du coup, je vais le reprendre. Je vais prendre exactement les mêmes blocs. En gros, la commande à la faire, tac tac. Tu me donnes ça en quart, donc 50% de stone, 25% de bois et 25% de béton. Comme la commande que j'ai réalisée. Voilà. Donc ça réalise exactement ça. Et si vous voulez voir ce que ça fait, je vais par exemple faire une sélection. Juste là. Et on va faire ça. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment aléatoire. Donc, bon, bref, ça a bugué. Mais comme vous avez pu le voir, les textures sont redondantes. Mais de temps en temps, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai eu exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà, j'avais eu à peu près ça. Et du coup, vous pouvez voir que ça marche correctement. Donc, chers amis, je crois que je vais me mettre là, voilà, pour cette fin de vidéo. Puisque oui, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer plus que ça. Les textures, enfin, le pourcentage, il faut toujours qu'il soit égal à 100%. Et puis, c'est tout, hein. Faut pas oublier qu'entre chaque pourcentage bloc que vous avez mis, il faut une virgule. Et puis c'est tout. Vous pouvez utiliser ça pour la commande replace. Vous pouvez utiliser ça pour toutes les commandes utilisant une donnée de bloc. Voilà. Donc le pourcent. En fait, les pourcentages, c'est une donnée de bloc. Voilà. Et puis c'est tout. Donc chers amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez que la chaîne soit beaucoup plus stylée petit à petit, n'hésitez pas à vous abonner et bien évidemment commentez, partagez. Si vous me commentez, vous pourrez me dire ce qui ne va pas sur ma chaîne et je pourrais peut-être l'améliorer. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Il faut savoir que j'aimerais bien changer d'ordinateur d'ici quelques temps, donc vers la fin de l'année, si vous voyez plus beaucoup de vidéos, c'est que mon ordinateur ne va plus bien du tout et que du coup, je ne peux pas tourner de vidéos. Donc voilà, je voulais vous prévenir vite fait dans un petit épisode comme ça, mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien s'il n'y a plus de vidéos en fin d'année. Donc, chers amis, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. N'oubliez pas, le build, c'est bien. Et à plus tout le monde!